De l'autre côté du Rhin, les nouveautés 2022 prévues pour être présentées lors de la prochaine édition d'Agritechnica qui se déroulera à Hanovre fin février prochain se dévoilent. Chez Orche, le vaste programme concerne non seulement les outils de travail du sol, de semis et également de désherbage mécanique, mais aussi de protection des cultures. Il ne manquait plus que des appareils aux capacités et mensurations diamétralement opposées, mais de technicité proche pour compléter la gamme. D'abord les automoteurs VN et VL, aux voies et garde au sol XL pour les cultures et marchés les plus spécifiques, à retrouver en détail sur farmconnexion.com. Mais concentrons-nous ici sur le CS, un appareil que l'on devrait plus fréquemment croiser sur notre marché. Un modèle de 1400, 1800 et 2200 litres, un véritable LT porté si l'on en croit le niveau de technicité embarqué. Ce sont des rampes en acier particulièrement compactes et mesurant de 15 jusqu'à 30 mètres d'envergure qui lui sont dédiées. Comme sur le reste de la gamme Lib, l'écartement de buse de 25 cm est également possible. Le Orche Lib CS capitalise sur le succès du système de suivi de sol déjà connu, le Boom Control ou Boom Control Pro en option. Il permet d'appliquer la bouillie au plus près de la culture et à une vitesse élevée, sans que la rampe ne risque de heurter le sol. En outre, d'autres composants tels que le système de nettoyage en continu CCS Pro et d'autres équipements bien connus des pulvérisateurs traînés Lib ont également été proposés. Comme quoi le CS est bel et bien la version sans essieu des LT traînés. L'incorporateur notamment est accessible facilement sur le côté de l'appareil, il est similaire à celui des modèles traînés également et est protégé par un large panneau intégrant un porte-document, un support pour se laver les mains et des filtres, mais aussi une passerelle rétractable compacte. La machine est en effet très compacte et peut être attelée facilement à l'attelage 3 points développé pour faciliter la connexion. L'entraînement hydraulique complet des pompes est de série. Toutes les fonctions sont mises en œuvre par l'interface Orche familière des LT et GS traînés. En outre, Orche augmentera l'autonomie de l'appareil grâce à une cuve frontale supplémentaire prochainement, de quoi transformer cette combinaison une fois attelée à un tracteur en véritable automoteur de pulvérisation. Le Orche Lib CS sera proposé dès 2022 en quantité limitée d'abord.